Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bonheur de vous regarder l'émission La Bonne Pioche, l'émission durant laquelle nous nous adonnons au plaisir du jeu de société en excellente compagnie. Nous allons vous présenter nos invités dans quelques instants, mais juste avant, nous allons jouer à Tsuro, un jeu de stratégie de Calliope Games édité chez Matago, un jeu durant lequel nous allons devoir trouver notre chemin et même le tracer nous-mêmes devant nous au risque peut-être de nous perdre ou de perdre nos adversaires. Et ça, c'est un petit peu ce que l'on fait depuis la nuit des temps. Donc cette émission, vous pouvez la prendre un petit peu comme une métaphore de l'histoire de l'humanité, si vous le souhaitez, ou alors juste comme une émission où on joue à des jeux de société, quoi. Allez, on vous présente nos invités et on revient juste après. Ben bonjour à tous, je m'appelle Clémence Pouletti, P-O-U-L-E de T-Y, comme le poulet, il faut rajouter T-Y. Je fais des vidéos sur YouTube, sur la littérature, le cinéma et la philosophie. J'essaie de rendre ça hyper accessible et amusant, donc n'hésitez pas à les voir. Je suis également sur Twitter et Instagram, et pareil, littérature et millième degré, vraiment millième degré. Salut tout le monde, je m'appelle Gwendal Marimoutou, je suis cuisinier, j'ai fait Masterchef, voilà, j'ai perdu au sushi, c'est faux, chanteur, comédien. Je prépare actuellement le Roi Lion qui va se jouer au Théâtre Mogador très bientôt, je suis en répétition. Et on se retrouve aussi sur Gulli tous les vendredis à 17h. Clémence, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à toi. Je dis ce matin parce qu'on tourne, il est 9h. Hein. Ouais. Peut-être que vous regardez cette vidéo très très tard et grand bien vous en fasse. Salut Gwendal. Salut. Merci d'être avec nous également aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors, êtes-vous prêt à tracer le chemin de votre destinée? Et ouais. Quitte à peut-être sortir du plateau. T'imagines, on te répond non. Non, pas du tout. Bah écoutez, je vais jouer tout seul alors cette émission est terminée. Ça va être beaucoup moins fun, hein, désolé. Mais alors, on commence déjà par placer notre petite pierre à l'édifice, là où on veut. Je sais pas si c'est bien en fait. Ah, tu commences vraiment sur une extrémité. Sur un point, on n'est pas sûr. Tu es toujours dans les extrêmes. Mais moi, je vais faire ça. Ah ouais? Ouais. Pourquoi les pas? Les joueurs. Pourquoi pas? Ouais. J'ai envie de vivre dangereusement. On a tous les trois nos tuiles. T'en as une en trop. J'ai carrément. Ouais, t'en as même une en trop. Ouais. Alors, c'est parti. On organise la pioche et. Clémence, vas-y, je te propose de commencer. Non, tu sais, moi, je suis vraiment une femme c'est moderne. C'est vrai. Je ne sais pas commencer du tout. J'ai aucune envie de commencer. Gwendal, tant pis, tu commences. Ça va te commencer, d'accord. Allez. Le plus jeune, apparemment. C'est une blague. Je pense que tu es le plus jeune sur ce plateau. Alors, 95. Ah, vous êtes complètement donc effectivement le plus jeune. Ah, okay. Donc on a, ouais, il faut suivre le chemin. Oui, le chemin qui est face à toi. Mon chemin. Ton chemin. Ouais. Je te redonne une petite. J'ai l'impression d'être déjà dans le Roi Lion. Est-ce que je vais. Ouais, si. Allez, on va. Non. Le mec est déjà stressé pour la première, moi aussi. Hein. Hop. Allez, on y va. Voilà. Ok. Safe. Bon, là, ça va encore. Pardon, je me sers et ensuite, c'est toi. Ok. Silence de réflexion. Hop. Merci. Ouais, t'as vu, de ou pas concentration. C'est, on est hyper concentrés. Ouais, ouais. Alors. Parce que tout peut aller très vite. Oui, ça peut vraiment. C'est vrai, là, on est encore. Ça peut vraiment s'accélérer d'un coup. Parce qu'on a fait une partie avant de commencer à tourner et on s'est rendu compte à quel point ce jeu était. Dans un premier temps chill. Ouais. Puis, dans sa dernière ligne droite. Très bâtard. En très fait. Bâtard. Très bâtard. Pour info, j'ai gagné. Non, je tiens à le dire parce que si je perds celle-ci lamentablement. Au moins, les gens sauront que l'honneur a été un peu chaud. Je n'ai pas accordé le mot, mais très bâtarde. Ouais. Voilà. Ça s'est très mal terminé. À toi. Voilà. Hop. Voilà. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus droit au but que lors de notre partie. Ouais, t'as vu, on va à la rencontre. On va à la rencontre. Ah, c'est à moi. On va à la rencontre des autres. Il y a de l'altruisme en bas. Oui, oui. On veut. On aime l'humain finalement. On veut se rencontrer. On veut. Tout à fait. Ouais. Voyager. Hop. Merci. Alors. Ouais. Oui. Oui. Oui, pourquoi pas. J'ai peur du moment où on se retrouve en fait. Faut pas avoir peur. Ça, c'est
Alors. Ou pas. J'ai un truc. Vas-y, je vais faire ça. Tac, ça. Voilà. Elle se rapproche. Je me rapproche de toi. Voilà, vous êtes. Parce que là, ça y est, devenu par bah nos coups influence les autres. Ouais. Exactement. Je trouve ça plus marrant. Mais alors, typiquement, sur ce que je vais. Non, il ne faut pas que je fasse ça. Tu fais une petite boucle. Bah, en fait, c'est que si on se rencontre là. Ouais. Moi, je sors déjà en fait. Ah ouais je... À moins que ça fasse cacac, tu vois, mais. Genre pour du beurre. Admettons. D'accord. Non, mais genre. Donc, testons, hypothétiquement. Mise en situation. Hypothétiquement. Parce que je crois ne faites pas ça chez vous. Ça mettons ne nous est pas arrivé encore. Bah, ouais. Si jamais je posais ça. Ouais. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on fait? On se culbute, on se... Bah, comme vous y allez. Vous chevauchez, quoi. Tu vois? Mais en fait, on se chevauche, mais du coup, moi, je sors. Lui, il parle. Ah bah, toi, tu sors. Tu vois? Ah oui, toi, tu sors. Donc, évidemment, j'ai dit hypothétiquement. Toi, tu sors. Mais Clémence sortirait aussi. C'est-à-dire, vous m'offririez la victoire. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. On va pas faire ça. Non. On va pas faire ça. Je vous propose que non. Il faudrait qu'on trouve une sorte d'échangeur. J'adore gagner, hein, mais... Tu sais que ce petit accent québécois d'un coup sur échangeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai fait québécois LV2. On essaye celle-là. Allez. C'est pas mal. Elle est fun. Allez. Vous allez vous retrouver côte à côte. Ouais, parce que moi, du coup, je bouge là. Et voilà. OK. Bon, j'aime bien ce qui se passe. Tu vas nous rejoindre? Allez, viens. Allez, viens, on est bien. Viens avec nous. Non. Non, j'ai pas envie de voir. Allez, boucle. Je vais boucler. Tac. Je temporise. Alors, attends, qu'est-ce que je vais faire, moi? Là, je pense que... Là, ça pue? Là, ça pue. Ça là, pue le cul, là. Ça pue. Hop. Merci, ma puce. Ça me fait plaisir, vraiment. Peu, ouais, on s'en va un petit peu. On est pas mal. C'est génial parce qu'il y a tellement de possibilités, en fait. Comme dans la vie. Exactement. Non, mais wow, ce que je disais en introduction de cette émission n'était pas totalement innocent. Hop là. Ça t'est venu comme ça, quoi. Comme on s'éloigne, comme on se retrouve. Les va-et-vient. Hop. C'est la vie aussi, tu as une erreur. Alors, sur la vie. Est-ce que je prends la tangente ou est-ce que je vais faire ça? Je pars en tangente et tout. Déjà, oui, adonné, oui. Pendant l'intro, j'étais genre, ah ouais, le gars est en forme. Le gars a fait elle. Il y a 20 ans. Donc ça s'appelait pas elle? Si, ça s'appelait elle. C'est vrai? Si, ça s'appelait elle, ouais. Ça s'appelait elle, je suis pas... Je suis vieux. Non, mais non, mais... Je suis vieux, mais pas... antique. Tu vois, je n'osais rien dire sur le manque de respect, mais... Non, mais c'est OK. Attends, du coup, moi, ça me... J'assume. Ah bah oui. Toi, non. Bien sûr. OK, j'ai peur. Je veux partir. Non, là, j'ai l'impression que je vais partir. Non. Tout à l'heure, tu nous as fait un retourné. Ah ouais. Alors que tu étais déjà bien dans le coin. Regardez sur la... Parce qu'on a accès à la... à la caméra zénitale sur un petit écran de retour sur ce plateau, hein, coulisses chez vous, et ça devient vraiment très joli ce plateau quand, c'est vrai. Quand les tuiles s'assemblent. Oui. C'est vraiment très sympa. Vraiment... Je serais à deux doigts d'accrocher ça chez moi. Juste à deux doigts. Ah non. Alors, oui, voilà. Voilà. J'ai peur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, à mon avis, c'était la... Ah, c'était le mieux, parce qu'avec les deux ans, on est pas mal. C'est le mieux à faire. Hein. Oui. Est-ce que... Je sais pas ce que je fais. Hein. C'est là, comme dans la vie, en fait. Tu tentes... À l'instinct, au feeling, okay. Je réfléchis pas. Alors... Toi, tu vas nous sortir une boucle, parce que sinon t'es... Ah! Oh! Oh! C'est-à-dire... Oh, my. Alors, je peux... Oh, non. Je vais juste faire ça. Oui, je vais faire une sorte de bouclette. Cet enchaînement de... Ah, oh, ah, ouais, de ah oui, d'accord. Hop. OK. Voilà. OK. On s'est très éloigné quand même. Oui, on s'est beaucoup éloigné. J'ai envie que la peinture vire un peu. Oui. Mm-hmm. Tac, et voilà. Tout à fait. Je veux pas partir. Ah, mais elle recule la sentence. Mais grave. Ah oui, c'est ça. Un peu comme dans la vie aussi, finalement.
Non, mais en fait, moi, je veux pas m'approcher, là. Rejoins-moi. Elle va me la faire à l'envers. Hop. Ok. Alors, attends, moi, je suis parti loin, là. Il faudrait que je revienne vous faire coucou. Non, c'est... te sens pas obligé. On peut s'envoyer un truc. Regardez, j'arrive. Ah oui, non, là, ah, non, là, oui, là. Too late. Oh non, mais si, alors, attends, oula, attends. Tu veux nous faire un... Écoutez, je crois que je me suis planté. Alors là, non, tu viens vers moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Si, c'est ce que je voulais Hello. Faire. C'est exactement ce que je voulais faire. Coucou. Ça va? Non, mais c'est que sans là, vouloir te foutre la pression. Non, mais là, ça y est, tout peut arriver. J'ai peur. Alors. Donc, du coup, c'est fini. C'est cool, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas fait exprès de le faire. C'est très bien. Si je fais ça. Ah, je peux venir vous rejoindre moi aussi, attends. Allez, viens. Je vais faire un petit truc. Genre, hello les copains. D'accord, ok. Mais de loin, c'est vraiment cette barrière. Non, mais je crois que ça donnerait de loin, tu vois. Distanciation sociale de type poli. Bah, un mètre, Covid. T'as bien fait parce que je pouvais te sortir là. What? Ouais. Tu peux me sortir? Je pouvais te sortir, ouais. T'as cru que t'étais qui en fait? T'es personne dans la maison en fait. T'as envie de redescendre. En fait. Moi je te le dis en fait, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai Alors... pas envie de sortir. Pas envie de m'éloigner de vous, moi j'ai envie de me rapprocher. Non. Sinon je peux faire ça. Ouais, bah je vais juste faire ça. Allez, hop. Ah oui. Je vais rester proche. Tu sais, je vais faire ça. Je fais une petite boucle. Oh là là, mais non, mais... Bon, ok. Non, mais parce que là, je suis en train d'imaginer les situations. Oui, oui, oui. Parce que là tu ne peux qu'imaginer les situations. Bah là, tu ne peux plus y aller à l'impro comme ça. Non. Là, c'est terminé les répètes. C'est terminé les répètes, là, ouais. C'est le prime. C'est le prime. C'est le prime. Et là, clairement, je suis tombé sur le tableau de Kamel. Aïe, vraiment, là. Gros, oh là là, il est tombé, là. Challenge. Il a fait tomber son petit bonhomme. Ok, ça part. Parce que, attends, en fait, je te bouge où, aussi. Ok, là, c'est spécial. Parce que moi, je pars là. Et toi ouais, tu me renvoies là-haut, là. Oh. Ici. Oh. Ouais, mais en fait, oh là là. Non, mais c'est très bien. J'ai pas le dos, ça. On nous a... Une partie normale dure 20 minutes, à votre compte, ça va durer une heure. Mais, pas... mais en fait, je suis très très emmerdé. Moi aussi, je veux une fille. C'est horrible parce que là j'ai ça, c'est infernal, hein, tout simplement. Bon, je pense que je vais temporiser en faisant ça, mais j'aime pas trop, mais je vais revenir. Je vais revenir, vous allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Ils disent tout ça, ouais. Comment tu fais? Attends. T'inquiète. T'inquiète même pas! Parce que c'est pas le Uno, hein. Y a pas de on change non. de sens. Non, c'est pas. C'est dommage ça d'ailleurs, tiens. Je propose une petite règle supplémentaire. Non, là je vais. Là c'est chaud. Arrête, tu me mets une pression. Pardon? là tu dégages, meuf. Là, en fait, chaud, hein. Là y a pas de. Tu veux quoi comme musique de sortie? J'ai un petit a cappella de ta part. Un petit acapella, ce que tu veux, okay, cette ambiance. Je l'ai. Je pars. Non mais vraiment les gars, je pars. Tu pars. Ah oui, je pars. Ce n'est qu'un non, au revoir. Je vais. Quoi que je joue, attends, regarde. Mais oui, mais en fait, c'est ça qui t'a mis dans la demi. Bah oui. Ouais, yes. Dans tous les cas, tu pars. Ouais. C'est un suicide. Organisé. Hein. Ah bah oui, mais non, mais de toute façon, ah bah, oui, je vois pas comment tu... Ouais, c'est un peu comme dans la vie aussi, finalement. Bon bah au revoir les garçons. Oh. Ouais, vraiment, t'as sorti ta plus belle carte. Ouais, elle est belle. Ah oui, hein. C'est quand même, tu sors elle sur une. Elle est belle, tu oui. Sors sur, avec du panache. Sur une rosace. Ouais. Alors, Awam. Gwendalito. Yas. Qu'est-ce que. Là, ça se complique fort. Oui, oui, ça se complique très fort. Parce que là. Bah là, il va falloir qu'on aille se chercher. À quoi qu'il arrive, en fait, je crois que j'ai toujours. Ah. On coupe pas au montage le moment où je dis que j'ai gagné la première partie. Ça ne filmait pas, malheureusement. Écoute, quoi que je fasse, ça me ramène... Quoi que je fasse, où que je sois, mais... Rien ne t'efface, je pense à toi. Quoi que j'apprenne... Donc, j'ai l'impression que ça m'amène toujours à la même boucle, qui sera de... Ton futur
Attends, un peu plus loin. Oh, punaise. Partir là-bas. Partir là-bas. Ok, alors. Comment tu veux chanter une émission alors, de jukebox, hein. Alors que toi, t'es en face, tu vois. Non, mais... Moi, j'ose pas pousser la chanson. Si. Coucou. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas, mais là, j'ai une petite sueur. Je vais boucler. Ouais, bah voilà, évidemment. Mais j'ai même pas si c'est une bonne idée. Non, en fait, il sort. T'es sûr ? Oui. Tu sors du plateau. Oh ! Mais il est trop content, il jubile. Watch me savourer. Non. J'ai jamais vu quelqu'un qui... Tu veux pas, mais... T'as pas le droit de faire ça. Qui a dit que je jouais pas ? Attends, mais attends, qui a dit que c'était interdit ? Bah, le plateau, a priori, qui carrément te met des petits quadrillages pour savoir exactement où tu peux poser ta tuile. Je sais pas quoi faire, là. C'est fini ? Je ne sais pas. Mais non, allez, bon, je pense que c'est le seul... Mais non, mais là, tu sors, tu fais ça. Ouais, mais tu sors. En fait, c'est comme moi tout à l'heure, en fait. Mais t'en as pas trois ? J'en ai trois. Mais l'autre, c'est la carte la plus pétée du jeu. Là, il part en pas vraiment. Ah, mais là, je pars en ligne droite. C'est joli aussi, tu vois. Bon, allez, on va faire ça bien. On va faire ça dignement. C'est aussi cool que ouais, fais un tour de grand 8 avant de sortir. Ouais, on essaye, tu vois. Bah, attends. On va boucler. On va boucler, comme ça, on va se mettre un petit suspense, tu vois. On va se faire un schlack. Mais en fait, ça te sort aussi. Ça me sort aussi, mais... Le dernier, mais ouais. Ça te sort aussi. Je sors en dernier. Attends, mais non, vas-y, top chrono. Hein? Non, hey, parce que le chemin vers la tu sors avant moi. Pour moi. Moi, tu sors avant moi. Mais regarde. Alors, allez, maître des clés. Passe-partout. On est d'accord que Gwendal joue sa dernière tuile qu'il a fait sortir. Chemin vers la sortie est plus court pour moi, c'est lui qui perd. Voilà. Ah ouais. Écoute, mais étant donné que même en marchant très très lentement. Oui, je sors avant. Tu sors avant quand même. Bah, c'est-à-dire que là, on est sur un détour. Ouais, enfin, tu fais pas le tour du plateau non plus. Si, un petit peu quand même. Ça va. Cela dit, étant donné qu'on est dans la bonne pioche et que c'est mon émission et que je fais un peu ce que je veux, je peux dire que, en fait, j'ai marché très très vite et que je suis sorti en Gwendal. Bon, voilà. Si tu le souhaites. Bah après, faut faire un sondage. Les gens, voilà. Ah ouais, tiens. On reste, c'est. Voilà, votez qui a gagné dans les commentaires sur YouTube. Nous les cumulerons et promis, à la prochaine émission, je dirai qui était le véritable vainqueur de cette partie, même si on sait tous que c'était Clément Perrin. Oui, c'était bien entendu Clément. Qui a gagné le jeu du panache. Bah écoutez. C'est un autre jeu. Très sympa. Très chouette jeu. Je rappelle que. Oui, donc, ça s'appelle. Tsuro, c'est édité chez Matago. 8 ans et plus. C'est 8 ans et plus. Franchement. Ouais. J'ai honte. Franchement, ça peut. Bon, va au bout de ta pensée. Un petit 5 ans. Ah ouais, franchement. Non, je pense que 8 ans, c'est très sympa, c'est des chemins. C'est, ouais, voilà, vraiment, les règles sont assimilées en à peu près 30 secondes. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Vous revenez quand vous voulez dans la bonne pioche, bien entendu, puisque la porte vous est désormais ouverte. Une fois que vous l'avez franchie une première fois, vous revenez quand vous voulez avec des amis. Semaine prochaine, c'est parti. N'hésitez pas. Je fais tous les jeux de la saison. Okay. C'est d'ailleurs, moi, je vais prendre congé et c'est désormais Clément qui va animer cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder un petit peu sur la chaîne Le Bon Nerd, ça fait 2 ans qu'on existe maintenant, donc il y a vraiment beaucoup de vidéos à rattraper, à regarder, pour vous amuser, pour découvrir des jeux auxquels vous auriez peut-être envie de jouer chez vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Bonne Pioche. Ciao ! Jo a gagné, mais pour moi, alors, excusez-moi, on est encore sur un débat, donc on le saura bientôt, mais on a tous les deux perdu, en fait. On a tous les deux gagné, mais jusqu'à preuve du contraire, selon le chemin, le mec ne décolère pas. Il sortait plus rapidement que moi. Je sais pas. Non ? J'ai gagné la première partie et il a fait semblant d'être mauvais pendant cette partie-là pour nous tromper. C'est totalement ma théorie et je pense que c'est la bonne.